happy on my own, making coffee just for one, and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done. Voilà pour vous, y'a le compte. Merci. I'm never running behind. You're never on my mind. No longer there to make me comb my hair, fix my tie or kiss me goodbye. Tout est prêt pour la fête des feuilles? Oh, on y est presque. Je finirai après avoir bu mon premier café latte au petit rond. C'est offert par la maison. Oh, c'est très gentil, merci. Oh, waiting for me to come home. Staying up till 3 a.m. Bonjour, Tom. Bonjour, ma belle. I'm always out. Happy on my own. On frappe fort dès le début. Des vidéos sur tous nos réseaux, des spots de pub à la télé, tout ce qu'il faut pour le lancement de l'éveil du vampire. Amy, je peux t'assurer que là, t'es au top. Si seulement c'était vrai. Futur best-seller d'après le New York Times. Arrête, tu te moques de moi. Tu crois que la revue littérature nomme tout le monde le prochain Stephen King? Là, je me moque. J'apprécie tout ce que tu fais, mais tu sais à quel point ça peut être éprouvant quand son livre est publié. Oui, je le fais toutes les semaines. En tant qu'agente, c'est différent pour l'auteur. Je rêve d'être romancière depuis que je suis petite. À l'époque, j'écrivais des histoires dans mon cahier à spirale. Des années après, me voilà à sortir le troisième tome de ma série. Je serais pas en train de rêver. Pince-toi si tu veux. Et ne prévois rien dans ton planning. La tournée ne commencera que dans quelques jours, mais il est très probable que des apparitions télé soient confirmées. Peut-être même Bonjour Matin. T'es sérieuse? Je ne plaisante jamais avec ce genre de publicité. Prends le week-end pour te reposer. Tu vas en avoir besoin. Pour ça, tu peux compter sur moi. Maman? Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. Quand tu dis ça, c'est généralement le contraire. C'est pas faux. Ton grand-père voulait aller s'acheter un café et il est rentré dans le magasin. Jusque-là, tout est normal. Non, ma chérie, il est rentré avec sa camionnette dans le magasin. Je t'appelle de l'hôpital. De l'hôpital? Comment va grand-père? Il a une entorse au poignet. Il est un peu secoué. Et... Arrête, Liliane. Je vais bien. Je vais bien. Il n'y a rien de grave. J'ai l'impression que vous ignorez ce que le mot grave veut dire. Tu es sûr que tout va bien? Je voudrais te dire que c'est pire pour l'autre gars, mais... L'autre gars... C'est la vitrine du café. Oh, heureusement que ta vieille camionnette est à toute épreuve. Eh ben, pas cette fois. Non. Vraiment, tu l'as détruite? Je faisais coucou à Cindy Blomfield et plus jamais je la saluerai. Ah. Le plus important, c'est que toi, tu ailles bien. Ne t'en fais pas pour moi. Grand-père, j'ai... Ça ne se fait pas de raccrocher sans même dire au revoir. Je suis vraiment désolé, c'est moi qui l'ai appelé. Tout est prêt à Ottenborough. La fête des feuilles démarre aujourd'hui. Les visiteurs viennent de loin pour admirer les couleurs de l'automne. Ça ne va être que pur plaisir, tout comme la prochaine chanson. I got burning feet from hot ash fall. A voice within me tells me don't go home. So I run until my feet give out. I jump a little higher to clear the ground. Sometimes I find I switch off and I start to drive streets that no longer are my own. I keep driving your way home. Apprendre durant le repas, deux fois par jour. Oh, je déteste les médocs. Grand-père. Oh, Amy, comment t'as pu arriver si vite? Oh, ma puce, je t'ai pourtant dit que j'allais bien. C'est une bonne chose que ta petite fille soit aussi têtue que toi. Je vous invite à attendre Tom dehors, on va préparer sa sortie. Oui, oh, bien sûr. D'accord. On t'attend juste devant, papa. Tu sais, sous ses airs ronchons, il est content que tu sois là. Grand-père n'a pas changé d'un poil. J'espère que tu dis ça dans le bon sens. C'est tant mieux qu'il n'ait pas grand-chose, mis à part l'entorse au poignet. Mais ça n'efface pas le passé. Ma chérie, tu ne restes pas longtemps. Tu ne pourrais pas mettre vos désaccords de côté seulement quelques jours. Et lui pardonner d'avoir retiré son offre de payer mes études quand je lui ai dit que j'avais choisi d'écrire, c'est pas si évident.
J'aurais du mal à l'oublier. Mais tu sais à quel point il voulait que tu fasses une école de commerce pour un jour reprendre potiron, etc. Si seulement il n'avait pas transformé ce souhait en ultimatum. C'est vrai, c'est pas la meilleure chose qu'il ait faite. Mais comme tu l'as dit, je ne reste que quelques jours. Pas la peine de déterrer le passé. Pas d'inquiétude, le fauteuil roulant, c'est seulement une formalité. C'est pour l'aménagement d'un bien, il faut que je réponde. Non, t'inquiète pas, vas-y. Vraiment désolée. Alors, Tom, vous connaissez le topo? Pas d'effort, beaucoup de repos et une visite de contrôle dans une semaine. À vos ordres, capitaine. Mais cette fois, je veux que vous suiviez vraiment les ordres du médecin. Oh, d'accord. Elle entend quoi par cette fois? Parfait. C'est noté. Tenez, elle est là. Au revoir. Vous voilà. Oh, c'était mon client. Il n'aime pas l'aménagement de la maison. Encore un appel et après j'ai fini. Termine tranquillement ton travail, je ramène grand-père. Ça t'embête pas? Bien sûr que non. Oh, papa, je suis vraiment désolée. Bon, amusez-vous bien. C'est très bien, comme ça on passe par la boutique. On pourrait aussi attendre demain pour aller voir Potiron, etc. Comme ça, aujourd'hui, on peut se reposer. Oh, mais si, allez, je veux te montrer tous les changements que j'ai faits. Oui, d'accord, on y va. Tu pourras me raconter tout ça. C'est ma petite fille. Je m'en doutais. Oh non, la marmite dorée a fermé? Oui, à la fin du mois d'août. Patty, la pauvre, elle a vraiment essayé de tenir le plus longtemps possible. Et personne n'a pris la relève? Ces pommes de terre isolées étaient légendaires. C'est triste de voir de nouveau une entreprise familiale fermer ses portes. Elle pensait que son petit-fils... C'est... Jesse. Jesse, oui. C'est ça. Elle pensait qu'il reprendrait les rênes. C'est vrai que Jesse est plutôt occupé avec sa carrière d'acteur. Il est apparu dans 2 gros films rien que cette année. C'est que du flan. Même en travaillant comme un acharné, il n'aura jamais la sécurité de l'emploi. Sinon, l'infirmière de l'hôpital, c'est une amie à toi? Absolument pas. Pourquoi? Oh, elle donnait l'impression de te connaître quand elle a dit que cette fois, tu devais écouter le médecin. Elle a dû me confondre avec un autre de ses très beaux patients. Oh, d'accord. Tant qu'on est de sortie, on pourrait faire quelques courses pour la fête des feuilles. Oui, j'ai entendu à la radio que ça allait commencer aujourd'hui. Exact. Mmh. Et comme chaque année, ça se terminera par la traditionnelle fête de clôture chez Potiron, etc. Tu es certain de pouvoir gérer ça? Il n'y a pas grand-chose, c'est une petite liste. Je veux parler de la fête de clôture. Peut-être que cette année, vous pourriez la faire chez un autre commerçant. Pour la 30e édition, tu voudrais qu'on change d'endroit? Alors là, plutôt mourir. C'est trop tôt. Quoi? Non, rien. Des pommes d'amour. C'est la meilleure manière de démarrer la fête des feuilles. Ça me rappelle des souvenirs. C'est moi qui régale. Bah oui. Merci. C'est pour moi, Tom. Oh, merci beaucoup. Hein? Passez une bonne journée. Vous aussi. Oh, c'est trop bon. Attends, alors si je me souviens bien, le 2e jour, c'est la cueillette des pommes. Suivi du 3e jour, les saveurs d'Autumnborough. Mmh, un de mes préférés. Le 4e jour, c'est... La nuit des épouvantails. Mmh. Ouais. Tu restes avec nous quelques jours pour nous montrer si tu as toujours la main avec les épouvantails. Eh bien, quand la promo pour mon livre va commencer, je vais devoir C'est ça qui t'en empêche. Tu sais, la sortie de l'éveil du vampire, c'est pas rien. L'éveil du vampire? Oui, c'est... Le 3e tome de ma série. Le 2e tome s'est terminé sur la supposée disparition de Dimitri. Ouais, elle est pas mal. Mais les lecteurs ont demandé qu'il revienne. Je suis sûr que tes lecteurs comprendraient que tu prennes quelques jours pour souffler, tu crois pas? C'est une tournée nationale. J'ai de la chance de pouvoir être là aujourd'hui. On dirait que mon petit accident tombait à pic dans ton emploi du temps. Non? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que ce livre est différent des autres. Comme si... Tout mon travail finissait par payer. Je commence même à avoir quelques fans. Tu sais ce qu'on va faire? On va profiter du temps qu'on a et voir comment on s'en sort. J'ai besoin de personne. Je sais très bien comment je m'en sors. Après toutes ces années, Potiron, etc. attire toujours du monde. Il y a pas mal de clients. La partie extérieure est très populaire à cette période de l'année. On doit encore ajouter des lumières un peu partout. Il n'y en a jamais trop. Tout m'a l'air prêt pour la fête. J'adore ce nouvel arrangement. Ouais. Il manque plus que des bottes de foin et des épouvantails qui sortent du lot. Et tu as fait tout ça tout seul? Eh oui, tout seul pour affronter la vague. J'ai failli me noyer 2 fois.
Non, je plaisante, bien sûr. J'ai quasiment pas levé le petit doigt, c'est Kit qui a tout fait. Kit, tu veux dire Kit Parker? Oui. Rappelle-toi comment vous étiez inséparables. Oh, je l'ai pas revu depuis le lycée. Oh, tu verras, quand vous vous retrouverez, tu auras l'impression de l'avoir quitté hier. Même si c'est moi qui ai jeté un froid entre nous. Et il n'y a qu'un moyen de le savoir, et il est juste là. Kit. Amy. Salut. J'ignorais que tu avais de la compagnie. Ah, tu as... T'as pas du tout changé. Et toi, tu es... devenu un homme... Disons, un peu plus responsable. On dirait que vous avez tout ce qu'il faut pour la saison. Oui, c'est vrai. Personne ne peut passer l'automne sans visiter Potiron, etc. Et grâce à Kit, on va battre le record des ventes ce mois-ci. Oh, tout ce que j'ai fait, c'est passer quelques commandes. Toujours modeste à ce que je vois. Attends un peu, où sont les bougies épices et potirons? C'est un mélange exclusif, les gens viennent de partout pour les acheter. Oui, je les ai placées à l'intérieur. Je sais que d'habitude tu les mets devant, mais je me suis dit que comme elles se vendent déjà, pourquoi ne pas mettre les nouveautés à la place? Comme ça, les clients devront traverser la boutique pour les trouver et passeront devant les autres produits, c'est malin. Et merci, maintenant, malin. Une dernière chanson de notre séquence country avant de rendre l'antenne. Je croyais t'avoir dit de ne pas passer la radio d'Oakwood dans ma boutique. On va écouter quelque chose de bien plus approprié. Tom n'est pas très fan de la station de radio locale de la maison de retraite. Ouais, laisse-moi deviner. Il dit qu'il y a trop de vieux au mètre carré. Mais le fait qu'il ait accepté de disposer les bougies ailleurs qu'à leur emplacement habituel, ça, c'est un gros progrès. Donc Tom aurait des petites manies? Petite de rien du tout. Ah. Ouais. Il a de la chance. Il peut compter sur toi pour lui donner un coup de main. C'est moi qui ai de la chance. Ton grand-père a misé sur moi quand tout le monde m'a laissé tomber. Vous entendez? C'est ça le véritable son de Potiron, etc. T'as fait ta bonne action de la journée, et là, il est temps de rentrer. Quoi? Tu veux me mettre à la porte? Le médecin t'a pas dit qu'il fallait que tu te reposes? Si, et c'est un ordre facile à suivre avec la boutique entre de si bonnes mains. Allez, on y va. Bon, d'accord. C'est bien, merci. Essaie de ne pas tout réduire en cendres, d'accord? Ah, ça, je te promets rien. Ta maison n'a pas changé. Elle est toujours aussi belle, tu trouves pas? Oh oui. Kit m'a aidé à accrocher les plantes et à mettre la déco. On dirait qu'il est souvent avec toi. C'est vrai. Depuis la période difficile qu'il a traversée. Ouais. D'ailleurs, comment il va? Il est resté seul pendant un moment. Il aurait bien eu besoin de quelqu'un pour l'épauler. Oh, je disais pas ça pour toi. Tu faisais ressortir le meilleur en lui. Ouais. Allez, viens. Oh, qu'est-ce qu'elle a, cette marche? Elle est complètement cassée. Oui, tu sais, ça fait partie des choses qui arrivent quand on a une vieille maison. D'accord, mais quelqu'un pourrait se blesser. Pas si on sait qu'elle est cassée. Ah, je vois. Bah oui. Tu te doutes bien que j'avais pas prévu d'avoir un accident, pile le jour où je suis censé faire le ménage. J'ai rien dit. Oui. On boit un thé glacé? Oui, j'y vais. Laisse, je m'en occupe. Rajoute-moi du citron. D'accord, et pas de sucre? Un tout petit peu de sucre. Ok. Oh. Tu cherches quelque chose? Oui, je cherche un couteau. Il devrait y en avoir un dans l'évier. Ah, d'accord. Ça aussi, ça faisait partie de la liste des choses que j'avais à faire. Je vais t'aider puisque je suis là. Non, je veux surtout pas que tu t'embêtes à nettoyer ma maison. Je sais qu'en temps normal, tu t'occuperais de tout, mais tu as une entorse au poignet. Tu fais du rangement dans tes disques?
Oh, on n'a pas besoin de faire de rangement quand tout est déjà méticuleusement organisé. Bien dit. Tu te rappelles notre voyage à Boston? La boutique de disques. Et il y avait cette énorme librairie juste à côté. Oh, livres par milliers, j'adorais cet endroit. Tu me disais toujours que les livres étaient ma récompense pour t'avoir aidé au magasin. Je trouvais ça incroyable d'être récompensé pour avoir fait quelque chose qui m'amusait. C'est vrai, tu aimais venir à ma boutique. Toi, tu me disais que tu travaillerais ici toute ta vie. Oh, c'est quoi ça? Bon, je vais au moins t'aider avec ton linge. Pose cette chemise. C'est rien. Vraiment, ça m'ennuie pas. Je t'ai demandé de la poser. Arrête de fouiner partout, tu me rends nerveux. Alors ça, c'est marrant, parce qu'avant, le moindre truc qui traînait, te... Très bien. Considère toutes tes tâches ménagères officiellement ignorées. Merci. Vous permettez? Salut. Salut. Je croyais que tu parlais à l'épouvantail. Grand-père est à l'intérieur. Il vient de s'allonger, mais je pense qu'il ne dort pas encore. Non, en fait, je rentrais seulement chez moi. Ah? Tom t'a rien dit? Non. Ben, je me suis installé dans la dépendance. Ah, je trouve ça rassurant de savoir qu'il a quelqu'un tout près. Laisse-moi t'aider un peu. Ah, merci. Je t'en prie. Et voilà. Bienvenue. Oh, waouh! Les décorations de mon grand-père ont aussi envahi ton espace. Pas du tout. Ce sont les miennes. Oh, t'es sérieux? La dernière fois que j'ai mis les pieds ici, c'était rempli de disques de jazz. Je dois avouer que j'ai dû un peu négocier. J'imagine. Tu veux que je te serve un jus de pomme? Oh, avec plaisir. Tu sais, plus je découvre le quotidien de mon grand-père, plus je me rends compte à quel point ta présence lui fait du bien. Ouais, c'est vrai que le Tom que tu vois aujourd'hui est nettement plus ouvert au changement qu'il y a un an. Tu es au magasin depuis si longtemps? Ouais, les trois premiers mois, j'avais rien le droit de toucher. Merci. Sinon, comment il s'en sort? Tout seul, tu veux dire? Oui. Je pense qu'il fait bonne figure. Les bons jours, il a plus d'énergie que moi. Les mauvais jours, c'est un peu plus difficile. Une partie de moi voudrait que ces bons jours soient le signe que rien n'a changé. Mais c'est pas le cas. Non. Moi aussi, je m'inquiète pour lui. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Tu le fais déjà. Par ta présence. Mais le plus gros changement, Tom doit le faire par lui-même. On va s'asseoir dehors? Je te suis. T'as dit tout à l'heure que mon grand-père a misé sur toi quand tout le monde t'a laissé tomber. Je savais que tu m'en reparlerais à l'instant où je te l'ai dit. Comme tu vois, je suis toujours aussi prévisible. Tu te souviens dans quel état j'étais au lycée? Après la mort de ma mère, j'ai enchaîné les mauvaises décisions. Et même après avoir... ruiner tous les liens que j'avais avec les habitants de cette ville. Ton grand-père a continué à croire en moi. On pourrait peut-être aller dans un bar demain, avant que je parte rattraper le temps perdu. Je préfère un café. Je bois plus depuis des années. Oh, c'est super. Félicitations. Merci. Ah, c'est fou, on était meilleurs amis et pourtant je me rends compte à quel point j'en sais peu sur toi. Pourtant, j'ai pas beaucoup changé. D'ailleurs, je lis toujours tes romans. Ah. Ah oui, c'est vrai. Je te dois énormément. Tu devais souffrir quand je t'obligeais à lire mes histoires à l'école. Tu plaisantes. Je savais déjà à cette époque-là que tu aurais beaucoup de succès. Oui, t'étais bien la seule personne à penser ça. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, mon grand-père considère mon métier comme un hobby. C'est parce qu'il veut que tu sois là, à la boutique. Tom aussi a des rêves. Je te remercie pour le verre. Je crois que je devrais y aller. Très bien. Oh, attention à la dernière marche. Oui, j'ai remarqué ça tout à l'heure. Je voulais la réparer après la chute de Tom. Mais il y a un souci avec les fondations. Quelle chute? Un jour où il portait ses courses, il a trébuché sur la marche.
Ta mère t'a pas prévenu? Non. Tu avais un délai à respecter pour ton livre. Je ne voulais pas t'alarmer, c'est tout. La prochaine fois, préviens-moi, je t'en prie. Si ça avait été une blessure grave, je t'aurais prévenue. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Je me sens tellement impuissante. Alors, bienvenue au club. Je lui ai proposé différentes maisons de retraite et je me suis énervée devant son refus d'admettre qu'il avait besoin d'aide. On a fini par ne plus parler pendant des semaines. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je l'ai vécu comme un échec. Alors, j'ai dû faire un choix. Soit tolérer le ressentiment de mon père face à mon insistance, ce qui n'est pas très marrant, soit dit en passant. Soit profiter du temps qu'il nous reste. Si c'est encore Luc, le propriétaire du café, je vais craquer. Papa est à peine sorti de l'hôpital qu'il est déjà en train de réclamer qu'on le paye. Ah non, cette fois c'est pour moi. Oh. Mon agente m'envoie faire des dédicaces à Boston à livre par millier. Livre par... C'est la librairie où oui. Ton grand-père t'emmenait tout c'est le temps. Celle-là. Oh, ma chérie. Je ne pourrais pas être plus fière. Quoi? Maman. Bon, d'accord. Peut-être que je ne t'ai pas toujours encouragée à poursuivre ta carrière d'écrivaine, mais tu m'as prouvé que j'avais tort. J'ai compris que j'avais réussi le jour où tu m'as invitée à ton club de lecture. C'est vrai? Mmh. C'est là que tu as réalisé? Oui. Pas quand tu as été nommée best-seller. Avoir l'approbation de toi et de grand-père, ça surpasse tout le reste. J'ai déjà la tienne. C'est pas si mal. Chérie. Ton grand-père approuve ce que tu fais. Alors pourquoi j'ai l'impression d'être de nouveau la fille de 18 ans qui a quitté Ottenborough en le laissant tomber? Non, ma chérie. Bon, alors écoute-moi. Tu dois te concentrer sur la promotion de ton livre, d'accord? Tout le reste, je le gère. C'est beaucoup trop, même pour toi. Et maintenant que j'y pense, c'est même beaucoup trop lourd pour nous deux. T'as déjà sorti ton béret? T'es devenue frileuse? Alors, premièrement, il fait froid, et deuxièmement, je me sens d'humeur automnale. Tom vient juste de sortir, il en a pas pour longtemps. Oh, super, le temps de boire un café? Il est encore chaud. La boutique est très belle. Merci. Waouh, je parie que le facteur doit vous adorer. Ce sont les commandes par internet. Tom a accepté que je crée un site de vente juste à temps pour l'automne. Des ventes en ligne, je rêve. Il voulait même pas entendre parler d'email jusqu'à l'année dernière. J'ai peut-être des pouvoirs magiques. Oh, qui ne fonctionne pas pour les décos aux fenêtres. Je vois ça. Tu pourrais me donner un petit coup de main? Oui, bien sûr. Donne. Ok. Je crois que ça va nous être utile. Je vais ramasser ça. Tu la tiens? Ouais. Le secret, c'est d'être très délicat. C'est vrai, il faut... Regardez ça, la fine équipe, de retour comme à l'époque. Eh oui. Ah, vous avez vu ça? C'est trop mignon. Ah oui, c'est mignon. Je les ai dénichés dans une brocante. Attends, tu te moques de moi? Tu les avais même pas remarqués. D'accord, j'avoue. C'est lui qui me les a montrés. Allez, je vous laisse. Attends, je suis venue pour savoir si tu voulais qu'on déjeune ensemble aujourd'hui. Si tu m'invites, alors oui. Oh, il est pas possible. Amusez-vous bien. Ça me fait plaisir de vous voir ensemble avec Kit. Je n'ai fait que l'aider à accrocher une décoration. Tu sais qu'à un moment, les habitants de la ville pensaient que tous les deux, vous finiriez par vous mettre ensemble. Par les habitants de la ville, tu veux dire Tom Adams, c'est bien ça? Peut-être. Alors, où est-ce qu'on va? 52 Maple Crest Drive. Mais c'est mon adresse. Oui. Je croyais que tu m'invitais à déjeuner. Oui, c'est bien ce qui est prévu. J'ai découvert une entreprise incroyable. Ils font les courses, préparent des plats, ils font le ménage. Ta maison s'est refait une petite beauté ce matin. Je ne t'ai pas donné la permission de faire ça. Je savais que tu dirais non. Alors pourquoi tu l'as fait? Je voulais que tu saches qu'il existe plein d'options. Je n'aime pas que des inconnus entrent chez moi. Ce sont des professionnels, regarde. Ils ont même une appli, tu vois? Une appli? Oui. Je n'ai pas besoin de ce truc. C'est peut-être toi qui as besoin d'une appli pour déculpabiliser de jamais venir.
vas, je peux savoir? Je vais m'assurer que personne ne m'a piqué mes affaires. Sérieusement? Passe une bonne journée, Tom. Pour aujourd'hui, c'est raté. Laisse-moi au moins te raccompagner. Tu veux marcher 5 kilomètres? Je ne dirai pas un seul mot. Pas un seul mot. C'est quoi cette odeur? Ils ont mis du désinfectant. Waouh, tu as vu comme ce sol est lumineux. Eh ben, j'espère que je ne vais pas glisser dessus. Ah, tu as vu les carreaux? Ils sont tellement propres qu'on se croirait dehors. Et tes disques? Ils sont exactement comme tu les as laissés. Mais cette photo, sa place est sur ce meuble, juste là. D'accord, une photo a été déplacée. Mais est-ce qu'on t'a volé des affaires? Hein? Même tes livres ont été classés. Oh, t'as un exemplaire du héros de la nuit? Les vampires, c'est pas ma tasse de thé, normalement, mais le fait que ma petite fille ait publié son livre, c'est un très bon sujet pour lancer une conversation. Je suis contente que mon travail te permette de faire ça. J'ai bien compris. Je sais que c'est pour m'aider que tu as fait tout ça, mais tu as dépassé les bornes. Je n'aime pas que des inconnus entrent chez moi. Ce ne sera plus un inconnu, l'entreprise enverra toujours la même personne. La réponse reste non. D'accord, bon, écoute, je ne veux pas qu'on se fâche tous les deux, mais tu dois admettre qu'il faut changer quelque chose. Changer? La plupart des changements qu'il y a eu dans ma vie m'ont été imposés. Oui, je sais, je comprends ce que tu veux dire. Non, tu es très loin de comprendre. Pour que tu réalises ce que c'est que d'en être à cette étape de la vie, ce que je traverse en ce moment, il faudrait que tu sois ici, avec nous. Ma chérie, on n'est jamais prêt pour ce qui nous attend en vieillissant. J'ai plus d'idées. Je pars demain. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On ne peut rien imposer à ton grand-père. C'est à lui de prendre les décisions. Kit m'a dit la même chose. D'ailleurs, ça te fait quoi de le retrouver? C'est cool. Et bizarre. Sûrement parce qu'on n'a jamais reparlé de mon départ. Oh, ma chérie, vous étiez tellement jeune. Kit venait de perdre sa mère et il n'arrêtait pas de te repousser. Oui, mais c'est justement là qu'il avait le plus besoin de moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai disparu. Chérie, c'était tout à fait compréhensible. Ton grand-père venait de rejeter en bloc tes futurs projets de carrière. J'avais le sentiment que le monde entier était contre moi à cette période. J'aurais quand même pu dire à Kit que je partais. Et si on en revenait à nos moutons? C'est ici. Ah, d'accord. Oh. En voyant ça, je me dis qu'on court à la catastrophe si on laisse faire grand-père. Je te le fais pas dire. Tu sais ce qui est le plus dur? J'ai une envie folle d'un café latte au potiron, et comme par hasard, le meilleur est préparé par le café qui me harcèle. Oui, enfin, je comprends pourquoi il te harcèle. Peut-être qu'on pourrait quand même en prendre un pour goûter, pour avoir une idée de quoi on se prive. Merci, ma chérie. Je t'invite. C'est gentil. Deux cafés latte au potiron, et je voudrais voir Luc, tant qu'on y est. Luc, le gérant? Je parle du Luc qui menace de poursuivre un octogénaire. Oui, le gérant, s'il vous plaît. D'accord. C'est pas toi qui dis tout le temps qu'on attrape plus de mouches avec du miel? Si, mais celui-là ne mérite rien d'autre que du vinaigre. Comment puis-je vous aider, mesdames? Eh bien, pour commencer, vous pouvez... Bonjour. Veuillez excuser ma tenue, j'étais en cuisine pour aider à préparer les donuts. C'est pas courant de voir un gérant mettre la main à la pâte. Vous vouliez... Vous êtes là pour les donuts à la pomme? Ils sont bientôt prêts. Oui. Non. Non, je... Pardonnez-moi, Luc. Je voulais... Où sont passées mes manières? Bonjour, je suis Liliane. Enchantée. Votre boutique est magnifique. Merci beaucoup. Excepté pour la... Oui. Mais bon...
Je vous propose une dégustation. Allez-y, proposez. Nous avons plusieurs sortes de tartes. C'est super. Allô? Est-ce que t'es assise? Non, je viens de commander un café. Très bien, reste debout, mais au moins, je t'aurais prévenu. Devine qui vient de te dégoter un créneau pour parler de ton nouveau livre dans Bonjour Matin. Oh, waouh, t'as réussi. C'est grâce à toi. Le producteur a lu L'éveil du vampire d'une seule traite. J'avais besoin d'une bonne nouvelle. C'est quand? Mardi matin très tôt, donc il faut que tu prennes un avion demain pour New York. Demain? Je suis encore à Ottenborough. Alors dépêche-toi de rentrer à Philadelphie. J'ai réservé un studio demain pour tourner la promo de l'émission. Oh, tout ça arrive si vite. Avec cette agitation, j'ai zappé ma réunion. Appelle-moi quand t'es là. Bye! Attends, Carla, j'ai... Deux cafés latte au potiron. Super, merci. En fait, je vais prendre cela et je crois que je vais vous en commander un troisième. Il sera pour la dame quand elle aura terminé de... Bravo. De discuter. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir, maman. C'est une passion. À plus. Laissez-moi vous enlever ce pas. Je devine que vous êtes un sportif. Salut. T'as le temps de faire une pause? Merci. Je sais qu'on était censé prendre un café tout à l'heure, mais je viens d'apprendre que je devais rentrer à Philadelphie plus tôt que j'avais prévu. Alors... T'as improvisé. Oui, exactement comme on avait l'habitude de faire à l'époque. Tu te souviens, on ne s'ennuyait jamais, on créait des enquêtes imaginaires... On retrouvait jamais les indices qu'on cachait. Tu te rappelles les marionnettes? Comment je pourrais oublier? Créer ce spectacle, c'est ce qui m'a donné l'inspiration pour écrire. Tu me forçais à apprendre mon texte par cœur, tu me disais... Pas d'antisèche. J'en avais quand même. On était meilleurs amis et j'ai négligé notre amitié. J'aurais dû être présente pour toi quand ta mère a eu sa crise cardiaque. J'aurais dû être là pour te soutenir. Au lieu de ça, je me suis enfuie. Pour moi, tu t'es pas enfuie. Il fallait que tu partes pour suivre ton rêve. Non, j'étais jeune, j'étais égoïste. Je pensais que tout ce qui avait trait à cette ville me freinait dans mes ambitions. Moi y compris. T'observer faire ton deuil, te voir lutter... Ça m'a dévastée de constater à quel point j'étais incapable de t'aider à aller mieux. Et... tu pensais que si tu restais, ça aurait fini par te détruire? J'ai tellement regretté de t'avoir laissé comme ça que j'étais même pas sûre de pouvoir encore te regarder en face. Amy, je peux le comprendre. Ah bon, je vois pas comment. De l'eau a coulé sous les ponts. On est devenus des adultes et j'aime à penser que c'est grâce aux épreuves de la vie. Je dois quand même admettre quelque chose. Oui, tu m'as manqué. Mais c'était pas ton rôle de me sauver. J'aurais juste aimé pouvoir t'aider. Je sais pas, ne serait-ce qu'un peu. D'accord. Imaginons que tu sois resté ici. Ta loyauté envers ta famille, même si c'est tout à ton honneur, t'aurais conduite à gérer la boutique. T'aurais laissé tes cahiers à l'arrière d'une voiture ou au fond d'un tiroir. J'aurais dû me douter que toi seul pouvais me comprendre. T'es pas aussi compliqué que tu penses. Tu accepterais de redevenir mon ami? Tu vas devoir me rapporter beaucoup de latté. Et me rendre souvent visite. Marché conclu. Un câlin pour sceller le deal? Comment refuser? Dans mes bras. Sur la route. Merci. Toujours sur Oakwood FM, une radio par des seniors pour toutes les oreilles. Sauf pour celle de mon grand-père. Quelle belle matinée!
Tu sais, elle serait encore plus belle si tu m'annonçais que tu ne pars pas. Je ne pars pas. Du moins, pas tout de suite. Je voudrais qu'on fasse quelque chose avant que je m'en aille. Prends tes disques et ton ouverture d'esprit. They say I'm acting crazy, but I just wanna lie in the sun. Donc, tu as prolongé ton séjour pour me traîner dans une résidence pour les vieux. C'est un village de retraités. Au moins, t'essaies pas de me vendre ça comme une communauté pour les seniors actifs. Ok, arrêtons de jouer sur les mots. On n'est pas là pour visiter, ni pour te forcer à venir. On est là pour une opportunité. Et tu entends quoi par opportunité? Pour embellir sa journée à Oakwood, il suffit de sortir et de regarder les feuilles. Hey, vous devez être Amy. Et Tom, bienvenue, je suis Maggie. Merci d'avoir accepté cette visite de dernière minute. Quand j'ai appris que vous cherchiez un animateur, j'ai tout de suite pensé à lui. On est tous les deux de très grands fans de vos après-midi country. C'est vous qui animez cette émission? Je n'ai accepté qu'à la condition qu'il me laisse passer des classiques du rock le vendredi. Il se trouve que mon grand-père a des disques pour toutes les occasions. D'accord, faites voir ce que vous avez. Je suis ce qu'on appelle un aficionado du jazz. J'ai ramené du Ellington et du Coltrane, du Davis et... Ah oui, aussi un peu de Charlie Parker, ça fait toujours. Vous avez là une bien belle collection. J'ai jamais fait de formation pour passer des disques. Et on dirait que vous avez une installation plutôt moderne. Oh, vous savez, certains de nos jeunes débutants ne jurent que par le MP3. Ouais. Mais si vous voulez mon avis, rien ne vaut la chaleur du crépitement provoqué par une aiguille sur un vinyle. Vous ne croyez pas? Je n'aurais pas dit mieux. Je sens qu'on va bien s'entendre. On travaillera ensemble sur quelques émissions pour vous mettre dans le bain. Ça me paraît super. Quand vous aurez défait vos bagages, que vous serez installé, je vous donnerai le planning. Bagages? Installé? Amy ne vous a pas dit? Les places d'animateurs sont réservées aux résidents. Merci beaucoup. Désolée. Non, non, il n'en est pas question. Ce ne serait qu'un tout petit changement. Tu pourrais aller et venir comme non, tu le souhaites. Non, non. Attends, arrête deux secondes. Regarde autour de toi. Il y a un bureau de poste, un café, là-bas, il y a une supérette. J'ai les mêmes commodités à deux pas de chez moi. Mais tu n'as pas de piste de bowling. Tu n'as pas non plus de piscine. Même moi, j'adorerais vivre ici. C'est pour ça que tu agites des carottes devant mon nez, comme ce poste d'animateur. Ce que je veux, c'est que tu réalises que rien n'est figé dans le marbre. Tu peux décider de venir habiter ici tout en gardant ta vie d'avant. Une résidence de ce genre, c'est pas donné. Je me suis permise de faire estimer ta maison. Ça va sûrement te surprendre, mais j'ai déjà visité Oakwood au printemps. Ah oui? Et j'ai aussi fait estimer ma maison. Même si je vendais ce bien dans lequel j'ai passé toute ma vie, ce serait encore trop cher. Ce n'est pas envisageable. Tu pourrais toujours vendre la boutique. Ce qui est sûr, c'est qu'en vendant Potiron, etc., tu auras largement assez pour vivre confortablement. Donc pour toi, il suffirait de tirer un trait sur ce que j'ai mis une vie à bâtir juste pour... Grand-père, je sais que tu veux faire ce changement à tes propres conditions, mais tu ne peux pas attendre le moment idéal, parce qu'il ne viendra peut-être jamais. Tu devras laisser la boutique à un moment ou un autre. Je me suis bien trompé, on dirait. Dire que je pensais que tu allais t'imposer pour reprendre les rênes et venir vivre auprès de moi. Quel imbécile. Très bien, voici pour vous. Passez une bonne journée. On s'est pas dit au revoir hier? Mais ça me fait plaisir que tu sois là. C'était mon cas aussi, jusqu'à un certain point. Est-ce que je peux... C'est justement l'heure de ma pause déjeuner. Écoute ça, Kit. Qu'est-ce que tu dirais si je t'annonçais que Tom a eu une offre pour devenir animateur sur Oakwood Radio? Je dirais que je l'écouterais tous les jours. Pas vrai? Et Kit, qu'est-ce que tu dirais si je t'annonçais qu'elle pense avoir le droit d'agiter une baguette magique et de bouleverser toute ma vie? Seulement parce que tu la rends plus compliquée qu'elle ne l'est réellement. Je meurs de faim. Allô? Dis-moi que t'es à Philadelphie. Pas encore, mais... Je serai là bientôt. C'est un bientôt qui veut dire « je serai là dans 10 minutes » ou un bientôt du genre « j'ai besoin d'une semaine de plus pour mon manuscrit ». Avant que tu répondes, n'oublie pas que j'ai un styliste, un caméraman et un producteur qui attendent que tu reviennes. Quelque part entre les deux? C'est ce que tu veux que je dise à bonjour matin? Non, évidemment.
Sois franche, Amy. Je ne peux pas promouvoir un livre si son auteur n'est pas là. Ouais, je sais. J'ai une idée. Je vais m'en occuper. Kit ? Tu peux me montrer ce que vous vendez le plus ? Mais bien sûr. Super. Oh, c'est pas vrai. C'est une de nos meilleures ventes. D'accord. Et ça aussi. Oh. Et ça... celui-là, il plaît ? Oh, que oui. C'est trop mignon. Voilà. T'es prêt ? C'est prêt. C'est parti. Bonjour, ici Amy Fox. Je compte les jours avant la sortie de L'éveil du vampire, le troisième tome de ma série sur Dimitri North. En attendant de vous faire découvrir le destin de notre vampire préféré, je suis venue passer du temps dans ma ville natale d'Ottenborough, dans la boutique de mon grand-père. Comme vous pouvez le constater, l'automne représente plus qu'une saison à potiron, etc. C'est un mode de vie. On savoure les premiers frissons dans l'air, on se délecte du crépuscule d'une nuit précoce. En fait, l'amour de mon grand-père pour l'automne et toute la magie qu'il apporte, c'est ce qui a inspiré le voyage de Dimitri. Ne manquez pas de lire L'éveil du vampire, disponible le 15 octobre en ligne et dans votre librairie préférée. Ça a été ? Oui. Merci. Génial. Ah. Que penses-tu de ça pour démarrer ? Excellente prise de vue. Merci beaucoup. C'est impressionnant la facilité que tu as à prendre la parole de manière improvisée. Ah, ça fait partie de mon job. Je n'avais jamais vraiment pris la mesure de la pression que ça peut engendrer d'écrire un livre, c'est dur. Quand on aime ce qu'on fait, ça vaut toute la pression du monde. Ouais. Bon, en attendant que ton agente te donne sa réponse, ça te dit une virée à la ferme des citrouilles avec moi ? Ah, ma dernière visite à la ferme des citrouilles remonte à cette fois où j'avais aidé à préparer la nuit des épouvantails. Et tu te souviens du boulot que c'était ? Parce que dans 24 heures, tout Ottenborough va venir ici pour le concours. Allez-y tous les deux, je veux pas me refaire mal au poignet. D'accord, je t'accompagne. C'est encore mieux que dans mes souvenirs. Si tu veux vraiment revivre le bon vieux temps, il faut jouer à un chat avec les enfants. T'as raison, la vie d'adulte, c'est surfait. Je suis d'accord. Bon, eh ben, on va devoir s'y mettre. C'est parti. Oh, oula. Tu t'en sors? C'est à toi qu'il faut poser la question. Oui, si on se dépêche, ça va. Ils ont mis quoi dans ce petit rond, à ton avis? J'en sais rien. Oh. Prêt pour le grand modèle. On y va. D'accord. Allez, viens. Je suis là. Je pense que ça va le faire. Attends, tranquille-toi. Laisse faire le pro. Vas-y, montre-moi. J'y vais. Prêt ? Un, deux, trois. J'ai pas bougé d'un millimètre. J'ai vu ça. Je vais chercher de l'aide. J'aurais pu le faire tout seul. Comment on va faire pour le sortir ? Aucune idée. Pour l'instant... on fait la course. Quoi ? Non ! Hé ! Le premier au poteau a gagné. T'es toujours aussi rapide. Akit ! Tu t'es fait mal ? Je me suis... Tricheuse ! Tu vas voir ! Tu m'auras pas comme ça ! Bonjour, Matin, veux qu'on fasse mon interview à la boutique? C'est grâce à la vidéo? Ouais. Waouh. J'en déduis que tu seras là pour le concours d'épouvantail. Ma tournée démarre le lendemain matin, donc... J'ai l'impression que quelqu'un a peur d'avoir oublié la technique pour fabriquer des épouvantails. En réalité, j'ai surtout peur que ton ego ne puisse pas supporter une autre défaite. Tu viens de perdre la course, je te rappelle. Allez, pars un peu plus tard. Je suis sûr que tu peux te trouver un coéquipier. T'as jamais eu cette impression de devoir toujours être à deux endroits en même temps? Je pense que la solution, ce serait de décider où tu veux être. Si je devais choisir là maintenant, je resterais ici. Mon seul souhait,
Ce serait qu'en rentrant, mon grand-père reconnaisse enfin que je suis une vraie écrivaine. Ne laisse pas les réactions de Tom dévaloriser ce que tu as accompli. On dirait que ça l'énerve que j'ai réussi. L'écriture est une partie de toi qu'il ne comprend pas. Alors que Potiron, etc., vous avez toujours eu ça en commun. Je vais te pousser. Ok. T'es prête ? Prête. Je sais que c'est l'heure de votre jeu télévisé préféré, mais c'est le seul horaire où l'acheteur est disponible, vous voyez ? Non, non, je ne peux pas enregistrer l'émission à distance. Je vous rappelle plus tard. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Je vous en prie. Oh, merci beaucoup. Je vous trouve bien galant pour quelqu'un qui essaie de plumer mon père. Eh bien, ça fait partie de ma méthode de négociation. Je vois. J'espère que vous ne le prendrez pas mal, mais je nous ai commandé mes plats préférés. Poulet fermier au maïs et patates douces et des raviolis butternut. Avec du beurre brun et de la sauge ? Oh, vous connaissez déjà. Ce plat est délicieux. Autant profiter d'un bon dîner, puisque je vais bientôt me faire escroquer. Escroquer ? Liliane, je suis le gérant d'un café. Vous avez idée du nombre de lattés que je vais devoir vendre pour payer les travaux, après la prise en charge par l'assurance ? Je n'avais pas du tout vu ça de cette façon. Depuis l'accident de mon père, j'ai été tellement happée par le travail que je n'ai pas vraiment un appel après un SMS. Ça ne peut pas attendre. C'est un très gros bien immobilier. J'ai de la chance de le représenter. Ce sont eux qui ont de la chance. Voilà pour vous. Oh, merci. Bon appétit. Alors ? N'est-ce pas plus agréable que des appels de vos clients ? Oui, je dois l'admettre. C'est trop bon. D'accord. Vous avez toute mon attention. De combien de lattés est-ce qu'on parle ? J'ai jamais examiné la situation de son point de vue à lui. À chaque fois que mon grand-père mentionnait mon implication dans Potiron, etc., je me renfermais. C'est un peu la même chose pour lui quand tu lui parles de tes livres. T'es devenu bien plus perspicace avec l'âge. Avec l'âge ? Sérieux ? Je plaisante pas. T'arrives à cerner les besoins de chacun et tu comprends où est le problème. Je pense que je rattrape le temps perdu. En fait, je m'étais fait la promesse de ne plus appeler ça du temps perdu. Après la mort de ma mère, je voulais tellement rebondir comme si tout allait bien. Mais je devais faire mon deuil, à ma manière. J'aurais aimé être là pour toi. T'as essayé, mais je t'ai repoussé. Oui, mais j'aurais dû persévérer. T'aurais pas pu m'aider. J'évitais tous ceux qui me faisaient penser à ma mère. J'ai essayé de faire taire la douleur. J'ai blessé beaucoup de gens en chemin. Ouais. Même mon père a quitté la ville pour s'éloigner de moi. Il supportait pas de me voir m'autodétruire. Mais on a repris contact. Après plusieurs années. Et qu'est-ce qui t'a fait changer ? Eh ben, je crois pas qu'il y ait eu une révélation du jour au lendemain. Je dirais plutôt que c'est venu petit à petit. Mais j'oublierai jamais le jour où j'ai vu ton premier bouquin, Le héros de la nuit, disposé dans la vitrine de la librairie. J'étais tellement content pour toi. Et ça m'a fait réaliser que j'étais passé à côté de plein de choses. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, ça sert à rien de regretter le passé. Ça prend du temps de pouvoir découvrir qui on est et ce qu'on veut faire de sa vie. C'est facile à dire pour toi. T'as trouvé ta passion et t'as vu ton rêve se réaliser. Pas en totalité. Je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai manquées, moi aussi. Comme quoi ? Non, c'est de toi qu'on parle pour le moment, pas de moi. J'ai compris. Il y a forcément quelque chose qui te passionne. Rien d'aussi exceptionnel qu'écrire un bouquin. Qui a dit que ça devait être exceptionnel ? Dis-moi, si tu pouvais avoir tout ce que tu souhaites, tu choisirais quoi ?
Je pense être en train de découvrir la réponse. Et ça m'effraie un peu. La peur, c'est un très bon signe. C'est que tu dois être sur une piste. Tu crois que c'est la bonne piste? Pour que je puisse te répondre, il faudrait peut-être que tu sois plus précis. Seul le temps nous le dira. Allez, viens, on rentre. Bonjour, Matin est de retour parmi vous. Aujourd'hui, nous sommes à Autonboro dans le Vermont avec ma nouvelle romancière préférée, Amy Fox. Oui. Bonjour, Amy. C'est très gentil de me recevoir. Je dois vous avouer que j'ai passé la nuit à lire L'éveil du vampire alors que j'avais cette émission à tourner. Je vous rassure, ce livre m'a empêché de dormir plus d'une nuit. L'éveil du vampire est le troisième tome de votre série sur Dimitri. À quel genre de surprise vos lecteurs peuvent s'attendre? Si je vous le dis, plus personne n'achètera le livre. Ce que je peux dire, c'est que le Dimitri qu'on a connu au démarrage de la série est confronté à une transformation majeure qui changera à jamais la façon dont on le perçoit. Amy a un talent naturel. Et tu le remarques seulement maintenant? Oh, ça va bien au-delà de l'écriture. Elle fait sa promo elle-même. Et en plus, elle répond aux questions de manière si spontanée. C'est comme si elle gérait son propre business, tu vois? C'est normal, c'est exactement ce qu'elle fait. Toute cette renommée, Amy l'a obtenue seule sans jamais rien demander à personne. C'est vrai. C'est vrai. Je vous dis un grand merci, Amy. On se retrouve tout de suite. Bravo, Amy! Fraîchement lavée, comme demandé. Oh, maman, t'es la meilleure. Quand on n'a plus de vêtements propres, c'est qu'on a abusé de l'hospitalité. Tu plaisantes? 4 jours, ce ne sera jamais assez long pour moi. Mais je suis curieuse. Qui t'a convaincue de rester pour la nuit des épouvantails? En discutant avec Kit, je me suis rendu compte que j'adorais ces moments et qu'il m'avait manqué pendant que j'étais pas là. Je découvre chaque jour que la vie, ce n'est pas tout ou rien, tu sais. C'est à toi de décider quelle part de ton passé compte le plus pour toi et d'en servir aujourd'hui pour te construire. Eh bien, ce qui compte le plus pour l'instant, c'est de réussir à me réveiller demain à l'aube. Je te préparerai du café. Ah oui. S'il vous plaît, tout le monde, j'ai besoin de votre attention. Tiens. Kit, c'est bon, tu peux poser les têtes ici. D'accord. À côté de la paille. Est-ce que vous pouvez rapprocher les tables et me faire 2 longues rangées de chaque côté? D'accord. Et on va mettre tous les vêtements au milieu. Si on fabrique trop d'épouvantails, ils vont prendre le contrôle d'Autonboro, papa. Liliane, tu as déjà vu les festivités se clôturer sans épouvantails? D'accord, j'ai compris, je vais en chercher d'autres. On va être un peu serré, non? Tu as une solution? Il faudrait qu'on mesure et qu'on délimite les places de chaque personne. C'est une bonne idée, ça peut marcher. Je vais m'en occuper. Quoi? Très bien. Et qu'est-ce que vous regardez comme ça? Les autres chemises sont dans le grenier, allez. La dernière arrivée a perdu. Oh non, t'es partie avant moi. Tu as ajouté un ingrédient au jus de pomme? Oui, j'ai ajouté un petit peu de cannelle. D'accord. Ça vous plaît? Oh, c'est délicieux, j'adore, c'est parfait, oui. Tant mieux. Liliane, désolée, je suis en retard. C'est pas grave, j'ai gardé ces 2 places pour nous. C'est super. Il est venu parce qu'on est encore en négociation. Mesdames, messieurs, votre attention. Bienvenue au concours annuel d'épouvantail de la Fête des Feuilles. Les épouvantails que vous fabriquerez seront éligibles pour le prix du meilleur épouvantail qui sera décerné le dernier soir du festival. Mais aujourd'hui, c'est le concours de rapidité. Nous allons voir qui peut en fabriquer le plus grand nombre. Je tenais aussi à mentionner que nous avons une triple championne parmi nous. C'est aussi une romancière à succès, Amy Fox. Et maintenant, que le meilleur gagne. Passons aux choses sérieuses. Tout le monde est à sa place? Pas de triche. Surtout, amusez-vous. Vous êtes prêts? Et 3, 2 et 1, partez! Allez! Tu penses pouvoir gagner? Si je le pense, j'en suis sûr. Oh non, quelqu'un aurait mis par erreur une chemise taille enfant dans ta pile. C'est du sabotage. J'appelle ça de la stratégie. T'es vraiment une tricheuse. Il vous reste 1 minute pour terminer. Oh. Plus qu'1 minute. Quoi?
Non, allez. Désolé, j'ai besoin de paille. Oh, t'abuses. Attention au décompte. Et 3, 2, 1. Tout le monde lève les mains, c'est terminé. D'après mes comptes, nous avons une nouvelle championne par ici. 4 épouvantails. Bravo, bon travail. C'était sympa de participer ensemble à ce jeu. Oui, si on met de côté le fait qu'on a perdu. Tu gagneras peut-être au plus bel épouvantail. Mais tu devras être présente pour recevoir ton prix. Je serai en plein milieu de ma tournée. Bien sûr. Félicitations, c'était très impressionnant. Vous m'étiez entraînée. Ça se voit. Je pense qu'on a battu le record de participation. Souviens-toi juste que l'épouvantail avec le tablier bleu, c'est celui que j'ai fait avec Luc. Avec Luc, hein, je vois. Tu réponds pas au téléphone? Non, c'est mon client qui m'appelle en dehors des heures de travail. Je le rappellerai demain matin. Je crois que je vais rentrer. Je suis crevée. Oui, je pense que je vais y aller aussi. Je vais devoir me lever tôt. Bon. Je dois prendre la route demain. Ça marche. Prends soin de toi. Ouais. Je t'aime, papa. Je t'aime, ma chérie. Oh, c'était une belle journée. Allez. Oh. Maman. On va attendre demain matin pour se dire au revoir. Ouais. On fait comme ça? Ça me va. Je t'aime, ma puce. Je t'aime. J'y vais. Repose-toi bien. À demain. Ah, maman a oublié son téléphone. Oh, attends une seconde. C'est le mien. C'est les alertes que j'ai oublié d'enlever. Pour les ventes en ligne. Eh oui, tu as peut-être reçu de la reconnaissance de tout le pays, mais ma boutique aussi. On peut tous les deux s'attendre à une augmentation des ventes. C'est plus que ça, ma chérie. Tu as plus soutenu mon business en une semaine que je ne l'ai jamais fait pour le tien. Mon business? Tu veux dire mes livres? Grâce à toi, on va avoir une année record. Oui, mais c'est Kit qui a mis en place les commandes en ligne. Bon, on peut lui laisser un peu de mérite, pas beaucoup. Mais quand les clients vont affluer dans la boutique, ils vont vouloir des exemplaires de tes livres. Tu veux mes romans, ici? Je pense que ça devrait pouvoir se faire. Mais j'ai pour habitude de vendre des choses que je connais très bien et que j'ai testées moi-même. Attends, tu voudrais lire un de mes livres? Absolument. Je sais pas trop. Tu maîtrises tellement bien tout ce que tu vends ici. À mon avis, pour que ça fonctionne, il va falloir que tu lises toute la série. Très bien. Mais je ne veux pas attendre 2 semaines pour la sortie de L'éveil du vampire. Ça, c'est pas un souci. J'emporte toujours plusieurs exemplaires avec moi. C'est dans ma voiture. Va m'en chercher un, jeune fille. T'es sûre? Vas-y. Ok. Je me dépêche. C'est bien. Ah tiens, zut. Bon, toi, je vais te remplacer. Exemplaire de l'éveil du vampire avec ton nom dessus. Grand-père? Non! Non, 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 non! Grand-père! Grand-père, tu m'entends? Réponds-moi! Grand-père! Vous avez du nouveau? Le médecin viendra vous voir dès qu'il en saura un peu plus. Merci. Je suis sûre que Kit s'inquiète pour ton grand-père autant que nous. Si j'étais pas allée chercher mon livre, je l'aurais empêché de monter sur cette échelle. Ce n'est pas ta faute. Mais au fond de moi, je savais qu'une chose de ce genre allait se produire. Et j'ai ignoré mon instinct. Ma chérie, je sais ce que tu ressens, mais culpabiliser n'arrangera absolument rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, viens par ici. Viens là. Oh, mon cœur.
Et si on se concentrait sur tout l'amour qu'on ressent pour ton grand-père? Ok. D'accord? Et on va trouver comment l'aider à s'en sortir. D'accord. Super. Merci beaucoup. Lillian Fox? Oui. Je suis le docteur Smith. J'ai de bonnes nouvelles. Votre père a repris connaissance. Il s'est pas loupé. Il a plusieurs côtes fracturées, mais rien d'insurmontable. Oh, papa, je suis rassurée, tu vas bien. Peut-être que changer et une ampoule grillée avec un bras blessé n'était pas une brillante idée, je vous l'accorde. Tu ne crois pas que tu aurais pu t'en rendre compte avant de grimper en haut de cette échelle, hein? Parfois, il me faut un peu de temps avant que ça monte au cerveau. C'est un trait de famille. Je ne veux pas qu'elle y ait de prochaine fois. Et si maman et moi n'étions pas là? Au cas où vous l'auriez pas remarqué, je suis sur un lit d'hôpital. On pourrait peut-être en parler plus tard. Non. Parce que quand tu te sentiras mieux, tu agiras comme si rien ne s'était passé. Oh. Il faut qu'on ait cette discussion maintenant. Ma chérie, je suis plutôt d'accord avec ton grand-père cette fois. Maman, s'il te plaît, arrête de le défendre. Tu serais aussi dévastée que moi. Tout ce que je veux, c'est savoir que tu vas bien, même quand on n'est pas à côté de toi. Ta mère est auprès de moi presque tout le temps, et puis... J'ai aussi beaucoup de travail, papa. Ce que tu veux dire, c'est plutôt quand toi, tu n'es pas là. Cette semaine vous a parfaitement illustré les raisons pour lesquelles je ne peux pas toujours être là. Je t'en prie. Pour maman et moi, va t'installer à Oakwood. Je sais que cette décision implique de vendre Potiron, etc., mais... Voyons les choses en face. Il est temps. Oh. Pendant des années, j'ai économisé pour donner vie à mon rêve, c'est... Ça représente tout pour moi. Et rien ne changera jamais ça, même si tu avances dans ta vie. Oh, mais tu sais... J'ai vu trop d'entreprises être vendues et devenir des agences d'assurance ou je sais quoi d'autre. On peut mettre une clause dans le contrat pour que ça n'arrive pas. Ils te disent ce que tu veux entendre. Mais dès que l'encre de la signature est sèche, ils font ce qu'ils veulent. Vous savez que c'est mon rêve, que c'est ma passion. C'est pas le genre de choses qu'on peut raconter dans un livre. Je me suis investi corps et âme depuis toujours dans cette boutique. Est-ce que ça vaut le coup que tu risques ta vie pour elle? Certains rêves sont bien plus importants que ce qu'on peut vivre dans le présent. Non. Non, désolée, mais je peux pas l'accepter. C'est pas à toi de prendre cette décision, il s'agit de ma propre vie. Et je veux la vivre à la manière que je choisis. Je suis désolé, ma puce. Je suis désolé. J'ai voulu arranger les choses, mais en fait, ça n'a servi à rien que je m'applique. J'ai l'impression que tout le monde se porterait mieux si j'étais venue passer 2 jours et que je n'avais rien dit. Et moi y compris. Oh, ma chérie, non. Ne pars pas, Amy, s'il te plaît. Amy! Hé! Pourquoi t'es pas au magasin? J'ai fermé quelques heures. Vous me donniez aucune nouvelle, donc je me suis inquiété. Grand-père va bien. Il est réveillé et je peux même t'affirmer qu'il a hâte d'être de retour à Potiron, etc. pour changer les ampoules lui-même. En te voyant dans cet état, j'ai cru qu'il lui était arrivé le pire. Il ne cédera pas, Kit. Il refuse de faire des changements et rien ni personne ne pourra le convaincre. Hey, c'est trop. Viens, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Tout va bien se passer. Non, ça va pas aller. Non. Tu te trompes. Il faut que je m'en aille. Et tu vas plus revenir, c'est ça? Pas tant que je suis là. De quoi est-ce que tu parles? De la façon que t'as de me repousser. T'as fait la même chose au concours hier. Amy, t'as peur de ce qui pourrait se passer entre nous, c'est ça? Tout ce que je voulais, c'était rattraper les choses, pas les compliquer, je te le promets. C'est pas le cas. C'est le temps dont on avait besoin. Il a duré 15 ans, mais... Je pense qu'on est exactement où on devrait être. Mon grand-père est sur un lit d'hôpital. Je sais, et t'as aucun contrôle sur ce qui va se passer pour lui. Mais en ce qui nous concerne, t'as ton mot à dire. Et pourtant, tu t'enfuis.
C'est pour mon travail. Amy, je suis au bon endroit. J'aurais aimé que tu vois que tu l'es aussi. Madame Fox, vous pourriez signer un dernier exemplaire ? Avec plaisir. Merci. Allez-y. Bonne journée. Vous devez absolument goûter notre latte d'automne. En cette saison, c'est une merveille. Je vous fais confiance. Je peux avoir un prénom ? Amy. Merci. Je déteste ce machin. Attention. Voilà, toutes les courses sont rangées. Oh, bon retour chez toi, papa. Oh. Maintenant que tu es là, j'ai ici quelques propositions que tu dois valider. Une rampe d'accès devant chez moi ? Or, le médecin a dit que la canne, c'était temporaire. Le médecin a dit aussi que les escaliers n'étaient plus tes amis, mais que les rampes d'accès et les plans inclinés allaient le devenir. Je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais il y a du vrai dans ce qu'Amy a dit. Ta façon de vivre va forcément changer. Très bien, j'y jetterai un œil demain. D'accord. Voilà. Fais comme tu veux. Je dois retourner au bureau. Tu es sûr que ça va aller ? Ouais. Je serai juste à côté si Tom a besoin d'aide. Je te fais confiance. Très bien. Merci. C'est normal. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Alors, à plus tard. Bonne journée. Elle est partie ? Oui. Oh. Il y en a qui sont pas trop moches. Attends, tu voudrais un machin comme ça devant ta maison, en sachant que tous les voisins pourraient le voir ? Non. Bah. C'est quoi ton plan, alors ? J'ai fait tout mon possible pour ne pas me mêler de vos affaires personnelles. Mais si la seule chose qui t'empêche d'aller à Oakwood, c'est le futur de Potiron, etc., alors... tu devrais écouter ce que j'ai à te dire. Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire pour le moment, de toute façon. C'est pas faux. Bon. Personne ne comprendra jamais vraiment ton amour pour ta boutique et la vie qu'elle t'a donnée. Mais avec le temps qui passe, j'ai l'impression de commencer à comprendre ce que tu traverses. Donc tu comprends pourquoi il m'est impossible d'abandonner cette partie de ma vie. Ouais. Parce qu'après toi, personne n'a besoin de cette boutique plus que moi. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle avant. Toi et le magasin, vous avez remis de l'ordre dans ma vie. Tu sais, toi, tu as contribué à ce que la mienne reste en ordre aussi. Tom, peu importe ce que tu décides, je veillerai à ce que l'œuvre de ta vie soit honorée pour toujours dans cette ville. Toi, on peut dire que tu as vraiment réussi à me cerner. Allez, va nous chercher du thé. Je veillerai à ce que tu tiennes cette promesse.
à grand-père, pour tout ton amour, ton soutien, et nous virer chez le libraire. Je t'aime, Amy. Merci. Merci beaucoup. Bonne lecture. Merci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas affiché complet lors d'une séance de dédicace. C'est un honneur. C'est dans cette librairie que je suis tombée amoureuse de la lecture. Je parie que vous dites ça à tous les libraires que vous croisez. Faut que j'aille décorer. Bien sûr. Vous avez besoin d'aide? Vous êtes sérieuse? Quelqu'un comme vous a du temps pour ce genre de choses? Pourquoi je n'en aurais pas? D'accord. Alors, elle est où, votre agrafeuse? Bonjour à tous. Il paraîtrait que l'hiver va pointer le bout de son nez plutôt que prévu. Donc n'oubliez pas de rentrer vos plantes. On va écouter une petite chanson qui va nous réchauffer un peu. C'est sur ces belles notes que je vais vous quitter. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Je m'appelle Tom et bonne écoute. Super. Oh. Vous êtes fait pour ça. Je suis impressionné. Oui, j'avais un peu d'appréhension au début, mais vous pensez que quelqu'un m'a écouté? Ah oui, tout le centre-ville, vous savez, la station émet de manière locale et tout le monde nous écoute. Dommage qu'elle ne mette pas jusqu'à Philadelphie. Eh bien, aujourd'hui Ottenboro, demain Le Monde. Vous avez certainement eu beaucoup de candidats pour cette place, mais... Non, personne d'autre n'en valait la peine. Mais vous gardez ça pour vous. Je dois voir si Oakwood accepterait de faire une exception pour un animateur non-résident. Ils sont à cheval sur le règlement, mais je vais essayer. Vous savez, Maggie, j'ai bien réfléchi à cette histoire de résidence et... Si vous avez le temps, vous pourriez me faire visiter Oakwood à nouveau? Avec grand plaisir. Allons-y. Ça aussi. Allô? Comment va l'autrice préférée de l'Amérique? À chaque fois que tu poses cette question, ça me rend nerveuse. J'ai fait un peu de jonglage. Avec le planning. Et voilà pourquoi. J'avais pas le choix. Tes lecteurs sont de vrais fanatiques. Cette ville n'aurait pas accepté qu'on dise non. Parce que toi, c'est possible de te dire non? S'il te plaît, pour moi. Très bien, mais après ça, plus de changements ni... T'attends plus. Où est-ce que c'est? Ottenboro. Mais je ne dirais pas que j'ai une légion de fans là-bas, surtout en ce moment. Eh bien, les appels que j'ai reçus m'ont suggéré le contraire. Ah ouais, donne-moi le nom d'une seule personne qui t'aurait appelé. Oups, ma boss est sur l'autre ligne. Quoi? La voiture t'attend. Bye. Mais... Kit, arrête de t'agiter, viens par ici, assieds-toi. Il faut que je te parle. Tout est parfait. Tu as fait un travail phénoménal, on va donner la fête du siècle. Si le temps le permet. Oui, rien ne viendra gâcher la fête de ce soir. Tiens, regarde, j'ai quelque chose pour toi. Ouvre-la. Qu'est-ce que c'est? Ouvre, tu verras. C'est un chèque du montant des ventes en ligne du mois dernier. Et c'est uniquement grâce à toi. Tom, je ne peux pas accepter. Si mes estimations sont correctes, ce mois-ci sera encore plus fructueux. Tu as plus qu'assez pour un petit apport. Mais ma camionnette me convient très bien. Qui a dit que je parlais de ta camionnette?
Je te parle d'un apport pour que tu aies enfin une entreprise qui t'appartienne. Eh bien, oui. Peut-être un jour, quand je serai prêt. L'entreprise à laquelle je pense a plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle. Tu veux que j'achète Potiron, etc. Il n'y a personne d'autre à qui j'accepterai de la vente, fiston. Bienvenue à Autonborough, Mademoiselle Fox. Oh, vous venez juste de dépasser la librairie de la ville. Elle est toute petite, on la voit mal. On ne m'a pas donné l'adresse de la librairie. Quelle adresse vous a-t-on donné ? 572 Main Street. Mais c'est... Peu importe. Merci. C'est drôle. Votre téléphone n'a pas sonné de la journée. C'est parce que quelqu'un de très attentionné m'a parlé de cette nouvelle fonction qui s'appelle « ne pas déranger ». Voilà Amy. Chérie, tu en penses quoi? C'est vraiment pour des dédicaces? Ah oui, c'était le seul moyen pour qu'ils acceptent de te laisser venir à la fête de clôture du festival. Et j'ai pas aimé la façon dont ça s'est terminé. On n'a pas assez de temps pour rester fâchés l'un envers l'autre. C'est moi le responsable. J'aurais dû mieux t'encourager à devenir la fabuleuse femme que tu es. Je le sais, je t'ai jamais félicité pour ce don que tu as, pour ton talent, pour ta grâce et pour ton grand cœur qui transparaît au travers de tes livres. J'ai juste été un vieil imbécile. Tu seras toujours mon héros. Tu es le seul que j'ai toujours cherché à impressionner. Eh ben, maintenant, ça me paraît évident. Pour toutes les fois où je t'ai laissé tomber, j'ai eu tort et j'en suis sincèrement désolé. Je t'aime. Oh, grand-père, je t'aime aussi. Allez, viens par là. Oh, oui. À partir de maintenant, on prend un nouveau départ, on tourne la page et on écrit un nouveau chapitre, le choix des mots est volontaire. Je trouve ça très drôle. Ah. Maman. Hey, Amy, tu as pu venir. Allez, viens t'asseoir. Tu te souviens de Luc? Oui. Bonjour. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux au 30e anniversaire de la fête des Fox. J'aime cette période de célébration. Quand j'y pense, ma talentueuse petite fille Amy a fait ses premiers pas ici même, dans cette cour. Et aujourd'hui, elle est acclamée dans tout le pays pour ses talents de romancière. Quand Amy est venue m'annoncer qu'elle voulait écrire des histoires de vampires, ceux qui me connaissent peuvent imaginer quelle a été ma réaction. Mais j'ai fini par ouvrir L'éveil du vampire et j'ai réalisé que c'était en fait l'histoire d'un père de famille qui, aveuglé par son désir d'offrir le meilleur aux siens, a refusé de laisser la place aux passions et aux désirs des personnes qu'il chérissait. On arrête là pour les divagations du grand-père que je suis. Voici ma petite fille, Amy Fox. C'est la plus belle fête de clôture de Potiron, etc. Et c'est la première sans que je sois le propriétaire. Alors, tu as vendu le magasin? J'avais pas le droit de passer mes disques à Oakwood sans être résident. Je croyais que tu voulais pas vendre. Je pense avoir trouvé la personne idéale pour perpétuer l'esprit de Potiron, etc. Qui ça?
J'aurais dû m'en douter. Évidemment. Toutes mes félicitations. Je suis heureuse pour toi, Kit. Merci. Je dois quand même t'avouer que c'est assez effrayant de posséder une entreprise. Et pourtant, j'ai l'impression d'être à ma place. Ici. Pardon ? Là, maintenant. C'est ici que je me sens bien. On a toujours été au bon endroit. Pour nous-mêmes. Et l'un pour l'autre. Maintenant, je le vois. Amy, je t'empêcherai jamais de faire ce que tu aimes. C'est fou ce que t'as accompli. Je veux seulement une chance. Avec toi. C'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais entendue. Toi aussi, tu trouves? Ça veut dire oui. C'est un immense oui. Gotta stay friends forever. No.